Ok. Ok. Voilà. Donc, vous avez écouté nos frères. Famille, mettez le cœur, excusez le direct. J'espère que vous l'avez appelé. Appelez Johnny Pacheco. MR10, dites-lui de venir ici. Et puis, convoquez Zasso aussi, parce qu'après, m'occuper de lui. MR10 dit que lui, il était pressé. Je suis là. Qu'il a porté, que nous, on a vu là. C'est pas pour lui. C'est chaussures de quelqu'un. C'est tellement lui, il était pressé. Il a laissé Babouche là à Abidjan. Donc, d'après pressé là, hein, il a laissé ça à Abidjan. Donc, ça veut dire que lui, c'est pas un gawa. Lui, il est yéré. Ok. Ok. Donc, on va demander à notre type. On va montrer. Il va vous montrer un autre truc. Et Ça n'était pas. on va demander, ou bien il va venir nous expliquer si là aussi il était pressé. Il dit, lui, il est trop hieré. Lui, il est trop hieré. Que lui, il était pressé. Bon, regardez-moi cette photo-là. Cette photo-là. Demandez à notre mogo si là aussi, il était pressé. On parle même pas de la chaussure, hein. On parle du pantalon. Là, il n'était pas en train de marcher, hein. Là, il s'est arrêté pour prendre une photo. Regardez. Regardez, quelqu'un qui s'habille, regardez son pantalon. Hein? Regardez son pantalon. Non, aujourd'hui, on ne parle pas de politique, hein? On va rigoler un peu. Parce que lui, il nous prend pour des bêtes. Il nous prend pour des moutons. Il nous prend pour des chiens. Hein? Dans ton habit, ta robe, il peut pas appeler ça bazin. Ta robe, hein? Ta robe, attendez. Hein? Ta robe rose là, des prisonniers là, ça là, la robe que tu as portée là, ça, je comprends, tu étais pressé. Ta robe des prisonniers là, tu étais pressé, on comprend. Hein? Mais est-ce que ça là, tu as eu le temps de t'arrêter pour prendre photo, ou bien ça aussi, ils t'ont surpris? Tu étais trop pressé parce que là même là, tu n'étais pas encore avec Draman. Là, tu étais pressé. Je suis là même, je ne connais pas c'est quelle marque. Hein. Je suis ça là, je ne connais pas marque là. Mais on peut laisser, je suis là parce que la marque peut être cachée. Mais le pantalon là, hein, le pantalon froissé là, tu as dit ça aussi, tu étais pressé. Donc toi, toute ta vie, tu es pressé. À Abidjan, tu es pressé. À Bengue, tu es pressé. Toi, toute ta vie, tu es pressé. Ouais, mon frère, tu es chercheur. Ouais, toi, tu dois être très riche parce que tu n'as pas tant. Hein? Tu n'as pas tant. Toute ta vie, toi, tu es pressé. Donc, viens nous expliquer. Pas là. Habit, je suis que nous, on a vu aujourd'hui, là. Des prisonniers, là. Ça, là. Il y a des chaussures. Ça, là. Tu dis, c'est pas pour toi, on a compris. Tu étais pressé, tu as laissé tes chaussures chez tes parents, là-bas, à Abidjan. Donc, quand tu es arrivé là-bas, hein, et puis, dans sa vidéo, il dit quoi? Lui, il cherchait une chaussure assortie. Mais là, le pantalon orange de ta robe. Le pantalon orange de ta robe, hein? Plus la chaussure là, c'est pas même couleur, mon vieux. Hein? C'est pas même couleur, rien. Rien. Chaussure là, quand même. Même si la chaussure ne t'appartient pas, quelqu'un te donne une chaussure, tu sais que tu t'en vas, ou un coin où il y a des ministres, où il y a tout le monde. Quand même, mon frère, tu peux pas porter ça, même si quelqu'un t'a prêté quelque chose. Même si quelqu'un t'a prêté quelque chose. Tu ne peux pas porter un truc comme ça pour aller dans un coin où il y a toutes les autorités, quand même, mon frère. Faut nous prendre au sérieux. Mon frère, regarde. Là-bas, tu dis que tu es pressé. Bon, ici, là, tu as eu le temps de t'arrêter avec ta veste. Hein? Avec ta veste, ton pantalon froissé. Toi qui insultais Alassane Ouattara des pantalons sautés. Le pantalon, un, il est sauté. Deux, il est froissé. Et. Je t'ai dit, mon frère, le style là, c'est pas facile. Le style, c'est pas facile. Pour être stylé là, c'est pas facile. Eh! Tu sais pas qu'un pantalon sauté là, quand on met ça sur une paire de souliers là, il faut que ça te plaque un peu. Il faut que ça te plaque un peu. Tu as vu les bas là? Ça doit pas être bas tuyau. Mais toi, tu es en bas tuyau direct. Mais c'est pas grave. On peut comprendre le bas tuyau là. Tu vois, non? On peut comprendre le bas tuyau. Mais. Il faut repasser un peu le pantalon, mon frère. Repasse un peu. On s'en fout des marques.
Moi-même, il y a des pantalons ici, des chaussures ici, je porte là. C'est pas marque. Nous tous là, c'est le style qui est important. C'est pas marque. Nous, on est en train de te montrer des choses pour que tu changes. Parce que demain, là, tu peux être président. Où tu es parti là, un jour, tu peux être président. Donc, nous, on t'en veut pas. On est en train on se moque pour que tu changes. Un jour, tu peux être président. Tu n'as pas porté pantalon français, chaussures, parce que tu es gawa. Un gawa là. Hein? Tu peux tricher un peu sur tes amis. Mon frère. Là, tu étais pressé. Regarde comment tu as arrêté. Regarde comment tu as arrêté. Bon, là, tu n'étais pas pressé. Parce que si tu as accepté que quelqu'un te prenne une photo, ça veut dire que c'est toi-même qui as voulu. Hein? Tu as accepté que quelqu'un te prenne une photo. C'est comme moi, je porte une chaussure bizarre ou bien un pantalon bizarre, puis quelqu'un vient me prendre photo. Il a dit non, 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 non. Faut pas me prendre photo, je suis pas bien habillé. Souvent, ça arrive. Souvent, je suis dehors, il y a les gens qui me prennent photo. Il dit non, je suis sorti bizarrement. J'ai pas envie de me mettre truc. Mais mon frère, regarde. 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 Même si je suis là, on t'a prêté. Même si on t'a prêté là, je suis. C'est pas pour toi, mon frère. Tu peux pas faire les trucs comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça, Draman? On peut faire ça, Draman? Avec tout ce qu'il te donne là. Comment tu peux gâter son nom comme ça? Hein? Tiens, Gawa! Avec tout ce que Draman te donne là, est-ce que tu peux. Comment tu peux faire ça, Draman? Comment tu peux lui faire ça, mon frère? C'est pas bien! Respecte un peu Draman! Hein? C'est vrai que hein, mes frères à Domouto, les Djoul là, ils t'ont contaminé avec leur style là! Hein? Parce que c'est eux qui ont le style comme ça! Mais pardon, tu es un bêté, mon frère, faut pas faire ça! Tu es un bêté! Tu es un bêté. Les bêtés ont toujours sapé. Hein? Ils t'ont donné quoi pour boire, pour que tu y ailles porter? Je suis de quelqu'un. Tu dis que ce n'est pas pour toi, hein? Mais moi, je sais que c'est pour toi. Mais comme on est en train de se moquer de toi, et puis tu es un menteur, mettez les cœurs, famille. Ça signale la vidéo, mettez les cœurs. Ça signale, hein? Ça signale. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ça signale. Faut pas, ils vont couper notre direct là, parce qu'on va faire beaucoup de choses. Après, on va attaquer Zasso. Zasso aussi, là, on a un problème avec lui. Donc aujourd'hui là, c'est pas politique, on va parler sérieusement avec nos frères là, parce qu'on comprend pas. Eux ils sont au pouvoir et c'est eux qui sont sapés André les Gawa. C'est quoi? Hein? Nous on a rien, mais on fait des trucs. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut faire ça, Draman? Toi-même faut voir, toi-même faut voir. On peut faire ça, Draman? Hein? On peut faire ça, Draman? Hein? Rien, rien, rien. On peut faire ça, Draman, mon frère. Mon frère, toi aussi. On peut faire ça, Draman. C'est pas fini. Attendez, il va vous montrer encore. Il dit qu'il était pressé. On va parler aujourd'hui. Non, il faut qu'on se dise la vérité. J'en ai marre. Je suis fatigué. J'en ai marre. Il faut qu'on parle maintenant. Parce que la première fois, on a laissé. La deuxième fois, on a laissé. Mais tu peux pas t'habiller comme ça pour suivre les gens. Quand même, tu as la présidence, mon frère. Faut pas faire ça. Hein? Saisi. Attendez. Mon ami, oubliez mes centres sociaux. C'est que vous n'êtes pas allé oublier mes centres parmi les requins pour risquer la vie, hein, pour arriver ici, bon, pour aller en Europe. Ceux qui n'ont pas écouté, écoutez. Alors, vous avez décidé aujourd'hui de vous attaquer à ma chaussure. Vous Ok. savez, hier, quand on quittait Abidjan, on a quitté Abidjan vraiment très pressé. Ok. On était très pressé. Korogo, c'est pas la porte d'à côté. Hein. Ok. Il était 10 heures quand on quittait Abidjan. Le temps de faire le plein de la voiture, aller faire un retrait Ok. à la BCC Ok. sur mon compte Ok. pour bien entendu mais créer les conditions de notre voyage. Ok. Alors, chers amis, c'est du temps qui était compté. Ok. Vous comprenez? Donc, j'ai oublié mes sandales Ok. à Abidjan. Ok. J'ai oublié mes sandales à Abidjan. D'accord. Ok. Babous là, j'ai oublié ça à Abidjan. Ok. Mais quand vous regardez ma vidéo que j'ai fait à Gagnoa, où j'ai rassemblé tous les chefs coutumiers, les chefs de communauté, les présidents d'association, les présidents des femmes, etc. OK. Vous verrez que j'ai porté le même bazin, OK. mais avec mes sandales. OK. Voilà. Qui n'était pas ce que vous avez vu aujourd'hui là. On appelle ça babouche. J'ai oublié mes sandales à Abidjan. OK, on dit Vous babouche. comprenez? Donc, je demande à mes collaborateurs, il fait déjà nuit. OK. On est arrivé à Korogo, il faisait nuit. Le marché est fermé. On fait comment? OK. Mon ami me dit, il a une chaussure dans la voiture OK. que je peux prendre, porter comme tapette. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. OK. Vu que je serai en orange,
Je n'ai pas porté une chaussure qui va casser cette couleur-là. Voilà comment je porte la chaussure. Yeah, voilà. Ça, là, ça ne peut pas être un sujet. Voilà. Là, je me pose. Là, je me pose. Il dit, son ami lui a donné la chaussure. Non, il a demandé une chaussure. Quand ils ont envoyé la chaussure, il a vu que la chaussure partait avec cette. Parce qu'il dit, il ne veut pas que ça casse son truc là. Sa robe là, sa robe orange là. Faut pas que ça casse ça. Est-ce que vous voyez? Donc, pour lui, la couleur de la chaussure qu'il a portée là, comme ça tire sur le rouge, comme ça tire sur le rouge, bien l'orange. Donc, les deux vont ensemble en fait. Je ne sais pas, hein, le français qu'il a parlé là, c'est lui ce qui a compris. Donc, pour lui là, habit orange, il a porté là. Robe là, qu'il a porté. Parce que ça, ce n'est pas basé. Je doute fort que ce soit basé. Robe qu'il a porté là. Ça va avec la chaussure. Ok. Le débat national. Ça ne peut pas être un débat national. Ah ouais. C'est son... Donc ça veut dire que c'est son ami qui lui a donné chaussure là. Ah le frère. Donc son ami, mon ami, non mon frère. Moi je m'en vais quelque part. Moi Peter, je m'en vais quelque part. Ma chaussure, hein? Regardez, hein? Il dit que les deux vont ensemble. Regardez le pantalon. Regardez la chaussure. Est-ce que c'est la couleur, les deux couleurs la vont ensemble? Est-ce que c'est assorti ça? C'est assorti. Ça casse ou bien ça décasse les deux là? Non mais mon gars là, c'est un menteur. Et puis, je lui montrer encore que tu es un gawa. Hein? Tu dis là-bas là, ton gars t'a surpris. Je te montrer encore que tu es un gawa, mon frère. Voilà. Donc, quand nous on parle, la faute était. L'argent, là, ça fait pas tout. L'argent fait pas tout. Hein. Tiens, dans ta vidéo, là, j'ai monté la vidéo où tu m'insultais, tu dis j'ai tué les gens, tout ça, on va parler de ça. Dans ta vidéo, tu dis nous on porte les marques pour faire le malin. Moi, à Paris, là, je porte pas marque, petit. Nous, là, on porte pas marque. Le style, là, on est avec. Tu peux porter un petit t-shirt, simple comme ça, mais c'est dans le style. Faut respecter les choses. Et voilà. Faut respecter ton. La manière même tu mets sur toi là. Il faut respecter ça. C'est le style. C'est pas Mac. Tu peux porter un truc même à 5 euros. Mais de la manière tu mets là. C'est ça qui fait que les gens ils te respectent. C'est pas Mac. Mac c'est quoi? Nous on paye les trucs ici dans les petits magasins ici. 10 euros, 10 euros. Les petits t-shirts, les petits polos, les petits jeans. Moi mes jeans je porte, c'est pas Mac. Il y a des gens qui payent les guines à 300 euros. Mais si moi, je mets mon guine, un homme qui a porté guine à 300 euros, là, tu seras fan de moi. Parce que tu as pensé que moi, mon guine, c'est un dangereux guine. Oh, il est payé à 10 euros au marché des sarcelles ici. Alors, au marché des sarcelles, il est payé à 10 euros. Mais de la manière, il est plaqué ça, là. Non, tu as dit, il est tué. Donc, c'est le style, mon frère. Tiens, gawa. Il est te montrer encore pourquoi tu es un gawa. Voilà. Parce que même si tu as nous menti que je suis là, ce n'était pas pour toi, ce n'est pas grave. Mais on a vu ici. Hein, regarde. Mais si tu veux nous mentir que je suis là, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Regarde. Ici là. Ça là. Le pantalon aussi, c'est pas pour toi. Tu étais pressé, ils t'ont prêté un pantalon. Ils t'ont prêté un pantalon. La chaussure là. Tu t'es pressé, ils t'ont prêté. Regarde. Sans chaussettes. Hein, mon frère. Regarde comment tu es habillé. Et toi, tu veux nous distraire qu'ils t'ont prêté chaussures. Mon frère, tu es juste un gawa. Et puis, je vais te montrer une autre photo encore. Regarde. Pour te montrer encore que tu es un gawa, regarde. Tout élément, tu étais à Abidjan, regarde. Tu portes un jogging Adidas sur une Timberland, mon frère. Regarde, une Timberland. Hein. Depuis qu'on porte jogging, hein, les jogging, oui, à très très à côté là. Et puis, on met Timberland dessus. Tu mets Timberland, hein, si jogging. Mais mon gars, tu es juste un gawa. Ça aussi, ils t'ont prêté. Tu étais pressé. Ça veut dire que tu n'avais pas tes baskets. Hein? Bon, comme Abidjan, vous appelez ça paire de crêpes là. Là, tu n'avais pas paire de crêpes pour porter sur ton jogging. Donc, tu as pris Timberland de ton voisin et tu as mis ça sur le jogging. Ben, là aussi, tu étais pressé. Tu vois? Mon frère, tu ne peux pas mettre jogging sur Timberland. Là, tu es un vrai gawa. Tu es un vrai brezo. Toi, tu es un brezo. Tu ne peux pas dissuader quelqu'un, tu ne peux pas blaguer quelqu'un ici. Ah, les gars, vous qui êtes même qui me suivez là, depuis qu'on porte jogging,
sur Timberland, même si on dit, depuis qu'on met Timberland, si jogging, regardez, 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 hein, c'est lui, hein, regardez, Timberland, hein, il met jogging sur Timberland. La dernière fois, il y avait mis une photo où il a porté ses bagots. Hein? Et toi, tu avais nous blagué. Oui, ça aussi, tu as pris ça avec ton voisin qui est à côté là. Lui qui est à côté là, peut-être que tu as pris ça avec lui. Parce que toi, tu es toujours pressé. Tu n'as pas eu le temps de changer, de payer. Hein? Hein? Jogging, c'est Timberland. Et puis, il y a un commentaire, il y a un gars qui dit on met jogging, c'est Timberland. Attends, il voit sa tête. Riche, riche le bois, on met jogging sur Timberland. Non, toi, tu es un vrai brezo. Tu as mis jogging sur Timberland, par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu as porté jogging sur Timberland? Par rapport à quoi? Toi, tu es un gawa? Hein? Et puis, il y a un gars qui met ça en commentaire. Toi, tu n'as pas honte, hein? Toi, tu es un vrai gawa? Tu as mis jogging sur Timberland? Ah, mon frère. Non, toi, tu es un vrai gawa. Et puis, il met en commentaire. Et puis, il est content. Il met en commentaire. Mais voilà. Ça, je comprends pourquoi Johnny vous suit là. Parce que vous êtes même chose. Hein? C'est quoi ça? Toi, t'as venu nous blaguer? Tu as mis jogging sur Timberland? Ou bien tu as dit que là aussi, tu as pris avec ton gars qui est à côté là. Tu étais pressé, vous avez échangé. Tu es parti. Cette fois-ci, tu n'étais pas parti en sandales. Hein? Tu es parti pieds nus. Mais pour te sauver, il t'a donné Timberland là. Tu as mis sur jogging pour pouvoir marcher pour partir. Mon frère, tu es juste un gawa. Tu es juste un gawa. Regardez, 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 regardez. C'est quoi ça? Regardez, regardez, c'est quoi ça? Hein? Toi, tu as venu parler à les gens. Toi, tu as venu parler à moi. Tu as venu discuter à moi. Tu as fait vidéo pour m'insulter, pour dire, pour me répondre. Pour me dire que moi, je sais rien. Moi, j'ai rien. Toi, tu es trop riche. Attends, on en vient là. Tu suis hier, t'es pas là. Hein? Et puis, il y a quelqu'un qui m'a en commentaire. Hein? Que on met jogging sur Timberland. Non, vous là, je ne sais pas d'où vous venez. Hein. Ah, tu as dit que ça ne se porte pas sur le jean. Ah, pardon. Riche le boise, pardon. J'ai pas vu ton commentaire. Désolé, j'ai pas vu ton commentaire. Voilà, j'ai pas bien vu ton commentaire. On met pas jogging sur Timberland. Il faut être vraiment un brezo pour mettre jogging sur Timberland. Ou bien là aussi, il va nous dire qu'il a pris chez le voisin. Hein? Il a pris ça chez le voisin. Parce qu'il était pressé. Lui, il est toujours pressé. Vous comprenez, famille? Johnny, tu es juste un plaisantin. Tu es juste un comédien. Tu vois? Tu es juste un comédien, tu es juste un plaisantin. Depuis là, il a vu que les gens disaient que, ouais, moi j'ai envie, moi je suis jaloux. Johnny, moi je ne peux pas être jaloux de toi. Je ne peux pas être jaloux de toi. Où est-ce là? Je suis trop bien. Je suis trop bien. Depuis Covid a commencé là, je vais te montrer quelque chose un peu, tu vas comprendre pourquoi je ne t'envie pas. Depuis Covid a commencé là, depuis j'ai travaillé un peu, comme jusqu'en juillet comme ça. En juillet, j'ai arrêté de travailler. Et tu comprends? En juillet, j'ai arrêté de travailler parce que l'activité que je faisais là, ça ne marche plus. Donc, l'État là, chaque mois, l'État me donne 5000 euros. Voilà. Et je vais te montrer ça pour te dire que je ne t'en veux pas. Je n'ai même pas besoin d'être jaloux de toi. Donc, si aujourd'hui, tu es dans ta merde, tu as vendu ton âme au diable, que tu es en train de te forcer pour insulter les gens, mais c'est toi qui vois, mon frère. Je ne peux pas être jaloux de toi. Il va te montrer un peu quelque chose. C'est vrai que d'autres diront non, pourquoi tu as fait ça? C'est enfantin. Non, souvent là, il faut donner gourmet aux gens. Aujourd'hui là, il va te donner un peu gourmet. Et puis tous les adomoutos qui sont sur Facebook là, il va vous donner un peu gourmet aujourd'hui. Pour vous dire que quand vous nous voyez là, nous on n'a pas faim. Tous les soroïstes, vous voyez là, nous tous on travaille. Nous tous là, on est des chefs. Vous avez compris non? Nous tous là, on est des chefs. Nous tous là, on travaille. C'est pour ça que quand vous faites vos vidéos, chaque jour, vous plaignez, vous pleurez là. Tu n'as jamais vu un souris santé faire une vidéo pour pleurer. Parce que nous, on travaille. On prend notre salaire. Maintenant, si un jour, ton boss t'a appelé, petit, viens prendre ça, c'est la fête, tiens, il faut payer cadeau. Petit, viens prendre ça, tu as fait ça. Petit, prends ça, tu as payé sucrerie. Ça là, on appelle ça guassou. Vous comprenez? On appelle ça guassou. Nous là, on n'attend pas l'an de quelqu'un.
pour vivre. Et tu vois, il va te donner un petit goût, mais attends, il y a des choses qui sont cachées. Là, ici, c'est mon compte. Hein. Ici, c'est mon compte comme ça. Il va te montrer ça. Pour te dire que je touche 5000 euros tous les mois. Et cache un peu. Je vais te montrer ça. D'autres diront, ouais, faut pas faire ça. Non, souvent, famille, les trucs comme ça, là, il faut donner gourmet aux gens. Comme ça, ils vont te respecter. Ils vont savoir qu'on n'est pas la même chose. Attendez, hein. Attendez une minute. Je vais faire un truc, là. Voilà. Donc, tu vois, petit, regarde. Je te montre un peu. Regarde, hein. Voilà. Nous, on ne travaille pas. Chaque mois, on a 5000 euros. Pour te dire que je n'ai pas besoin de t'envier, hein, pour être content. Regarde, ça, c'est écrit quoi ici? 24 novembre. Oh là là, c'est éteint. Voilà, petit, regarde. Nous, on n'a pas besoin d'envier quelqu'un. On n'a pas besoin que Soro nous donne l'argent pour qu'on soit content. Regarde, hein. Il y a appuyé dessus. Tu vas voir ce qui est écrit. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Fonds de solidarité COVID-19. C'est l'État qui m'a donné. Petit, tu vois? 5800 euros qu'on m'a donné le 24 novembre. Eh, tu vois, petit? Novembre, hein? 24 novembre, il y a eu 5700 euros. Regarde, hein. Quelques jours après. Regarde, ça c'est quoi? Le 8 décembre. Tout dernièrement, 8 décembre là, regarde. Tout dernièrement, 8 décembre. Il y a eu combien? 5500. Tu vois, non? Regarde, c'est écrit, hein. C'est pas crédit, hein. C'est un cadeau que Dieu me donne. Voilà, parce qu'il a travaillé en France. Et aujourd'hui, comme on est en difficulté, l'État nous donne ça par mois. Regarde, hein? Fonds de solidarité, 5500 que j'ai eu le 8 décembre. Regarde, hein? Le 8 décembre. Novembre, là, il y a eu 5. Le 24 novembre, il y a eu 5800. En décembre, hein? En décembre, là. Ils vont me donner encore. J'ai pas envie de descendre, hein. J'ai pas envie de descendre en bas. Sinon, vous allez tout calculer, hein. Vous allez tout calculer, puis vous allez savoir il y a combien dans mon mouvement. Sinon là, il y a descendre. Vous allez voir les autres mois là. Moi, j'étais monté juste pour 2 mois, hein. Ça c'est pourquoi novembre. C'est le 24 novembre, mais c'est pour le mois d'octobre. Ils m'ont payé ça le 24 novembre, mais c'est pour le mois d'octobre. Donc pour le mois de novembre là, ils m'ont payé ça le 8 décembre. Voilà ça. Le 8 décembre. Voilà ça ici. Voilà. Pour le mois de novembre, là, on m'a payé ça le 8 décembre. Voilà ça. 5524. Donc, pour le mois de décembre, là, ils vont me virer encore. Donc, mon frère, ça là, je ne peux pas être, hein, je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Comment je vais envier quelqu'un qui... Comment je peux envier quelqu'un qui est obligé de faire vidéo pour insulter les gens? Comment je peux envier quelqu'un qui fait vidéo pour insulter les gens, pourquoi on lui donne l'argent? C'est parce que je n'ai pas envie de descendre. Sinon, après, les gens vont calculer, ils vont savoir il y a combien, nanana. Et puis, c'est enfantin, vous comprenez? C'est enfantin. On n'a pas envie de montrer les choses. Voilà, nous, on n'a pas besoin de se vanter pour dire qu'on a l'argent, on n'a pas l'argent, on est pauvre. On se cherche. Bengue ici, là, on est venu pour se chercher. Et on continue de se chercher. Vous comprenez, non? On continue de se chercher. On n'a pas encore fini de se chercher. Tu comprends, non? Voilà. Donc, dans ta vidéo, tu dis, ouais, on n'a rien, on est là, on court derrière les gens. C'est toi qui cours derrière les gens, mon frère. C'est toi qui es obligé d'insulter. Tu es obligé d'insulter Soro pour qu'on te donne l'argent. Tu es obligé d'insulter telle personne pour qu'on te donne l'argent. Moi, je suis couché chaque mois, rien. Je suis couché rien mes jours. Je grossis chaque mois, on me donne 5000 euros. Chaque mois, on me donne 5000 euros. Je suis couché. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que de t'en vouloir, de t'envier, mon frère, par rapport à quoi? Il est envié. J'ai une vraie voiture. Il mange bien, il dort bien. Abidjan, là, on a maison là-bas. Abidjan, là, on a maison. On n'a pas envie de faire à la cour de ça. Donc, on n'est pas la même chose.
Voilà. Calcule, depuis Covid a commencé là. Depuis le Covid a commencé là. Chaque mois, combien on me donne? Il fait rien. Il me promet seulement. Et moi, je dors, je mougou. Combien on me donne? Sans même faire, sans même me fatiguer. Donc, tu veux que toi là, il va être jaloux de toi par rapport à quoi? Hein? Il va être jaloux de toi par rapport à quoi? Dites-moi en famille. Sans sérieux, lui là, il va être jaloux de lui. Parce que t'allais prendre photo à la prison, il est jaloux de toi. Photo à la prison, ça ne se donne pas l'argent. Photo à la prison, ça ne se donne pas l'argent. Parce que moi-même, j'ai été le premier à être là-bas avant que toi tu sois là-bas. Photo à la prison, ça ne donne pas l'argent. Donc, on va écouter ta vidéo. Une autre vidéo où tu m'insultais, tu parlais de moi. Voilà. Photo à la prison, ça ne donne pas l'argent, hein, mon frère. Sinon, moi-même, je serais resté là-bas pour prendre l'argent. Voilà. Bafing fils connaît. 3 millions par mois cadeau. Je suis couché et puis on me donne ça chaque mois. Sans sueur. Voilà. Si tu penses que moi là, faut te renseigner à Paris ici. Voilà. Je vais écouter ta vidéo. Voilà. Il reprend. Écoutez bien. Ok. Mon frère MS10. Mon frère MS10. Tu dis, il a tué quelqu'un à Abidjan. Voilà. Parce que depuis un moment, il attend ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Mais sache que tu seras le prochain qu'il ait tué. Oui, ça là, faut te préparer pour ça. Tu seras le prochain qu'il ait tagué même. Tu seras le prochain que je vais tagué. Ça là, faut avoir le moral. Le jour où c'est croire à Abidjan là, tu es au courant. Faut te mettre ça dans la tête en même temps. Faut être prêt. En tout cas, faut être prêt. Voilà des gens. Tu sais, vous les morts de RDP là, quand on n'est plus un vous là, c'est là vous créez les délits. Tito qui paye ton billet d'avion là. Tito qui paye ton billet d'avion, hein, lui que tu te promènes là. C'est lui qui payait mon billet d'avion. En bac, Ahmed Bakayoko qui paye ton billet d'avion. Et puis tu t'en vas à Abidjan. C'est le même Ahmed Bakayoko qui payait mon billet d'avion. C'est le même Ahmed Bakayoko qui payait ma résidence. Et puis il dormait. C'est le même Ahmed Bakayoko qui m'envoyait à gauche, qui m'envoyait à droite. Tito, avec qui tu te promènes? Où tu vas t'asseoir dans un restaurant ici? Tu vas à gauche, tu vas à droite. Et puis tu viens t'asseoir pour dire y tuer les gens là. C'est les mêmes là avec qui moi j'étais. Tu comprends, non? Donc, si j'essaie d'aller deux fois, eh bien, ils ont payé mon billet. Ils ont payé mon billet pour aller à Abidjan. Ils ont payé résidence pour moi. Ils m'ont donné l'argent de poche. Et puis, ils m'ont pas arrêté. Ils m'ont pas fait quelque chose. C'est pas maintenant vous allez venir chanter partout que putain a tué quelqu'un à Abidjan. Ou bien, c'est pas maintenant vous allez chanter. C'est-à-dire, comme maintenant, je ne suis plus un vous, c'est là vous savez qu'il a tué quelqu'un. Mais quand ils étaient en train de payer mon billet d'avion pour aller à Abidjan, là, pour aller, ils payaient ma résidence là. Et puis ils me promenaient, ils me donnaient une voiture pour me promener dans Abidjan. Là, il n'y avait pas tué quelqu'un. Hein? MS10. Je sais, d'ici là, je suis au courant avec qui tu te promènes à Abidjan. Tu te promènes avec Tito. Je suis au courant de ça. Partout où tu vas là, je suis au courant de ça. Tu comprends, non? Donc, les mêmes personnes là. C'est la même personne là même qui disait que toi tu avais violé une fille quand tu étais jeune homme. La même Tito là. C'est la même là qui disait que toi tu as violé une fille à Abidjan.
Nous tous, on savait ça, que toi, tu avais violé une fille à Abidjan. Mais comme aujourd'hui, tu commences à les caresser, comme aujourd'hui, tu loves vers eux, comme aujourd'hui, voilà, tu donnes ton cuir, les gars lapent dedans. Donc, eux, ils ont oublié que toi, tu as violé une fille à Abidjan. Ils ont oublié ça. Tu vois? Donc, moi, vous racontez ce que vous voulez. Putain, il a tué les gens. Putain, il a fait ça. Putain, il a tué. Putain, il a tué quelqu'un pour prendre l'argent. Il s'est allé deux fois à Abidjan. Voilà. Et puis, les autorités même, ceux-mêmes qui sont ministres là, qui disent que moi, il est tué là. C'est les mêmes là même qui m'ont invité. C'est eux-mêmes qui ont payé mon billet. C'est eux-mêmes qui m'ont envoyé là-bas. Donc, s'ils ne m'ont pas arrêté pendant qu'il est tué ou bien quand il avait tué là, c'est pas maintenant qu'on va venir parler que quelqu'un a tué quelqu'un. Vous comprenez? Donc, fais attention à ce que tu fais, mon frère. MR10, fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Parce que ça va te rattraper. Moi, je te dis ça, ça va te rattraper. Les gens avec qui tu te promènes, tu ne les connais pas mieux que moi. Peut-être que tu es déjà empoisonné ou tu es là, là. Tu es déjà même mort, mais où tu es là, t'as été promené, c'est ton corps qui est en train de se promener là. Et la poison, là, ça ne tue pas où? Et ça tue pas même jour. D'ici 1 an, 2 ans, tu vas voir les retombées. Hein? D'ici 1 an, 2 ans, là, tu vas voir les retombées. Ceux que tu te promets, eux, là, ils les connaissent avant toi. Ils les connaissent avant toi. Travail que tu es en train de faire, là. Ce que tu es en train de faire, là. Moi, j'ai fait ça avant toi. Et puis, c'est moi-même qui ai laissé. Tu vois, c'est moi-même qui ai laissé ça parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, ils vont te donner des miettes à gauche, à droite. Tu es en train de te salir pour des miettes. Non, il faut être dans la vérité. La preuve, ton direct de ce soir-là même, là, tous ceux qui étaient là-là même, demande à tous ceux qui te suivaient aujourd'hui. Là, on sent même que tu te forçais même pour faire Atalakou de Drama Ouattara. On sentait même que tu te forçais pour faire Atalakou de Drama Ouattara. Pourtant, avant, quand tu faisais tes vidéos, c'était normal, tu étais tranquille, tu criais, tu faisais ce que tu voulais normalement. Mais depuis un moment là, tu es obligé de dire ce qu'on te dit de dire parce que tu prends les cahiers. Parce que tu prends les jetons. Tu es obligé de faire truc. Hein, tu comprends? Tu es obligé de répéter ce que eux te disent de faire. Moi là, il était là-bas et puis il dit il ne veut pas ça. Il ne veut plus ça. Et puis j'ai quitté là-bas. Je pouvais rester là pour prendre les nyungu yugu, les mekon mekon, les mugu mugu là. Je pouvais rester là pour prendre. C'est moi qui ai laissé. Moi, je n'ai jamais compté si l'un d'un politicien pour vivre. Je n'ai jamais compté si l'un d'un politicien pour vivre. Ceux qui me connaissent à Paris là, ils savent. Ceux qui me connaissent là, ils savent. En bac là, quand je le connaissais là, je roulais Q7. Quand je connaissais en bac, Tito là, quand je le connaissais, je roulais Q7. Et je suis jamais tombé, jusqu'au aujourd'hui, je suis jamais tombé. Ceux qui me connaissent là, ils savent. Donc, je ne compte pas si un politicien pour vivre. Nous, le GPS là, GPS là, on ne compte pas si l'un de Soro, on ne compte pas si l'un de politicien, parce qu'on travaille. Petit, il y a 5 000 euros par mois. Tu veux que j'attende quoi de qui? Trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Oui. Trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Donc là, si quelqu'un m'appelle, petit, viens prendre quelque chose, je vais prendre. Même si c'est 200 euros, je vais prendre. Trop de viande ne gâte pas la sauce, petit. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Mais ne compte pas si viande de quelqu'un. Je ne sais pas si tu comprends mon message là. Ne compte pas si viande de quelqu'un. Mais toi, des viandes ne gâte pas la sauce. Ça veut dire que toi, là, tu ne travailles pas. Tu ne fous rien. Tu attends que Abidjan te donne l'argent pour vivre. Le jour où Abidjan dit te donne plus l'argent, là, tu as commencé à les insulter. Tu as commencé à changer. Tu as commencé à les insulter. Tu as commencé à changer. Parce qu'ils disent qu'ils ne te donnent plus. Or, sans ça, tu ne peux pas vivre. Hé, tu vois. Mais moi, là, quand j'ai arrêté de faire là à Talakou, là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu tranquille. Je n'ai pas promis quelqu'un. Chaque mois là, il est pour moi. Il travaille. C'est depuis que Corona a commencé là qu'il a arrêté de travailler. Voilà. Parce que Corona là, ça a tué tout. Tout le système est mort. Donc nous, on est couchés. Chaque mois, l'État nous donne pia. Au calme. Sans stress. Il me promet, il mange, il mougou. Et j'ai mon pia au calme.
Donc, il ne peut pas envier quelqu'un. Donc, chercher à travailler que de compter sur l'argent des politiciens. Chercher à travailler. Zasso, là, il a fait un direct hier encore où ils étaient en train de pleurer. C'est-à-dire, l'élection est finie. Donc, eux, ils doivent avoir leur récompense d'élection. Ils doivent avoir leur récompense du pouvoir, en fait. C'est-à-dire, eux, ils nous insultent que nous, là, on a l'argent, Soro nous donne l'argent. Mais mon frère, si Soro nous donne l'argent, là, ça fait quoi? Nous, on est dans l'opposition. Vous êtes au pouvoir. Donc, normalement, là, ça devait être automatique. Ça devait être automatique. Mais chaque jour, c'est vous qui pleurez en fait d'argent. Chaque jour. Il s'appelle comment? Hier, Zazo a fait un direct encore. Il était en train de pleurer. Ouais, c'est pas normal. Ouais, vous donnez l'argent aux gens. Nous, on est ici. Soro a donné 2 milliards à ces gars. Vous, non, nous, on n'a rien. Non, non, non. Non, non, non. Mais c'est parce que nous, on travaille. Vous pensez qu'on nous donne l'argent. Nous, on ne compte pas sur l'argent de quelqu'un. C'est parce qu'on travaille. C'est parce qu'on travaille que vous pensez qu'on gagne des millions avec Soro. Si on ne travaillait pas, qu'on était assis là, on attendait l'argent là. Quand tu es, bon, de vous à moi, tu es assis là, tu fais rien. Chaque jour, tu fais vidéo pour faire plaisir à quelqu'un. Il te donne rien. À la fin du mois, tu dois payer ta maison. Le mogol, il te donne rien. Mais c'est normal, tu as acheté des vestes. C'est normal, tu as devenu fou. C'est normal, tu vas aller faire les bêtises. Pourquoi on te donne l'argent? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi au GPS, il n'y a pas ça. Parce que tout le monde travaille. On n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Moi, Peter Perso, il n'y a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Mais si on me donne, ce n'est pas mauvais. Eh oui. Là, la main, c'est les fêtes. Voilà. Si on me donne un peu encore, hein, si le vieux père, peut-être, il a censé, petit, c'est les fêtes, hein. Viens, prends ça, tu as payé cadeau de l'enfant. Ça a complété mes 5 cricas là. C'est pas mauvais, famille. C'est pas mauvais. Mais, oui, je suis là, il n'attend pas qu'il me donne. J'aime les surprises. Vous comprenez, non? Les surprises. Où tu t'attends et puis on t'appelle, bim! Vous comprenez ça, hein? Voilà. Où tu t'attends et puis on t'appelle, là. C'est comme ça, nous, on vit. Vous comprenez? Oh, vous, là, vous souffrez. Regardez toutes les pages RHDP. Toutes les pages RHDP, ça pleure, oh, ça pleure, l'argent, on nous paye pas, on nous regarde pas, on nous plaît pas, on nous regarde pas, on nous calcule pas. Bon, mon frère, tu es patriote, tu as fait le combat de ton parti politique et le RHDP, mais tu attends quoi? Tu veux que les gars te regardent comment? Tu veux que les gars ils te fassent quoi? Tu as fait le combat de ton gars, de ton parti politique? Bon, maintenant, comme tu as fait, et puis d'après vous, vous avez gagné. Mais va travailler avec eux. C'est pas mieux. Retourne à Abidjan, vous travaillez ensemble. Que de chercher à racketter les gens. Parce que même le racketage, jamais ils vont vous donner combien. Moi, je vous dis toujours, parti politique ne va jamais payer maison pour vous. Parti politique, là, ils vont jamais payer maison pour vous. Ils vont vous donner, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Les 1 million, les 500 000, les 1 million, les 500 000. Non. Pouvoir, vous voyez là, ils vont jamais payer maison pour vous. Ils vont jamais payer maison pour vous. Si c'est ça, vous attendez là. Ne travaillez pas. Restez là, faites vidéo. Restez là, insultez Soro. Restez là pour vous promener. Ils vont jamais, jamais payer maison pour vous. Ils vont vous donner les 1 million, les 500 000, les 300 euros, les 500 000, les 300 euros, les 500 euros, les 300 euros. C'est comme ça, ils vont jouer avec vous. Et puis, ils vont vous donner ça comment? Une fois par coup tête. C'est-à-dire, quand ils te voient dans coup tête, là, ils vous donnent ça. Une fois coup tête. Par exemple, chaque 6 mois, si tu es à Abidjan, tu tombes sur lui, il te dit, bon, voilà, peut-être 500 000, mais sur toi. Et toi, tu es content. Ça, ce n'est pas une vie. Famille, ça là, ce n'est pas une vie. Il faut travailler. Tu travailles, tu prends ton jeton. Le jour, tu fais coup tête avec l'homme que tu défends là. Il te donne un peu, on appelle ça guassou. Tu prends pour compléter ton Dieu-croix. C'est comme ça on vit. Voilà, c'est comme ça on vit. Nous, on n'a pas de problème. Et on n'aura jamais de problème parce qu'on ne compte pas sur quelqu'un. Voilà, vous, le RADP, là, vous allez pleurer, pleurer, pleurer tous les jours. Ils ne vont jamais acheter une maison pour vous donner. Jamais. Je comprends pourquoi, depuis un moment, là, il y a beaucoup de vidéos RADP comme ça. Parce que eux, ils pensent que là-bas, là, il y a là.
Que quand tu fais une vidéo, tu donnes l'argent. Le pied est fessé là-bas. Vous n'aurez rien, les gars. Venez travailler. Vous comprenez? Venez. Je vais vous montrer les circuits. Hein? Si tu as ton site de séjour, les petits circuits, tu peux ouvrir société, tu vas avoir l'argent, mon frère. Je suis couché, je ne travaille pas, on me paye, petit. Tu penses quoi des mêmes choses? Tu penses que moi, il y a qu'à vouloir par rapport à quoi? Tu souffres. Tu ne dors même pas la nuit. Quand tu dors là, tu réfléchis. Qu'est-ce que demain, je vais faire? Dans la vidéo de demain là, qu'est-ce que je vais faire? Dans la vidéo de demain là, qu'est-ce que je vais dire? Tu es obligé d'aller sur YouTube. Hein? Tu es obligé d'aller sur YouTube pour aller courir, chercher des vidéos interprétées comme Bible. Tu vois, non? Tu es obligé d'aller faire vidéo. Tu es obligé d'aller sur YouTube chercher des vidéos, hein, les vidéos de 1900 combien là, pour interpréter. Parce que quand on voit une vidéo des gars du RADP là, eux, ils sont tout le temps en train d'interpréter. Toujours, on dirait Bible. Parce que Bible là, chaque pasteur interprète. Tu as tombé sur un pasteur aussi, il va te dire Jésus a sauté ici. Tu as tombé sur un autre pasteur, il dit Jésus n'a pas sauté ici, il est passé par là. Tu as tombé sur un autre pasteur, il dit Jésus a nagé. C'est comme ça. Les gars du RADP là, eux, ils interprètent les vidéos. Voilà. Eux, leur vie là, c'est d'interpréter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les petits Jekloa? C'est malheureux, les gars. C'est malheureux. Moi, on me fait pitié. Parce que vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Moi, je vous dis ça, vous n'aurez rien. Ils vont rien vous donner. 2 jours là-même, vous les avez vus parce qu'il y avait campagne. Parce qu'il y avait élection. C'est à cause de ça, vous les avez vus. Ils vont rien vous donner. Vous allez pleurer le sang. Vous n'aurez rien. Parce que vous n'êtes rien. Parce que vous n'êtes rien. Vous, votre travail, c'est quoi? Parce que vous êtes levé, vous avez mis connexion. Vous avez commencé à faire vidéo. Et pour rien comme ça, on doit vous payer. On doit vous acheter des maisons. On doit vous acheter des villas. Parce que pour rien comme ça, on doit vous donner 10 millions. On doit vous donner 5 millions. Vous pensez que la vie est facile, quoi? Vous pensez que. Non, mais sérieux, quoi? Vous pensez que la vie est facile? Vous voyez les choses trop faciles. Hein? Vous n'aurez rien parce que vous n'êtes rien. Parce que vous êtes vidéomane là, c'est pas travail. Être vidéomane là, c'est pas travail. Levez-vous, allez travailler. Allez travailler. Si vous avez les projets, que vous avez des projets, que vous avez des connaissances à la présidence, vous avez des connaissances dans le pouvoir, ils peuvent vous aider dans les projets. Mais n'attendez pas des millions de ceux-là. Ils vont rien vous donner, les gars. Eux, ils se moquent de vous. Ils savent que vous êtes bêtes. Vous êtes juste bêtes. Vous êtes bêtes. Vous pensez qu'ils vont vous acheter des maisons, ils vont vous donner des millions? Ils ne vont rien vous donner. Voilà. Non, mais ils sont bêtes, ils n'auront rien. Tout ce qu'ils vont vous donner, c'est les 500 000, les 1 million, 500 000, c'est tout. C'est la limite qu'elle a. 500 000, 1 million, 500 000, 1 million, 500 000, 1 million. Ça va, tu es allé où est ça? Tu es allé où est 500 000? Tu es allé où est 1 million? Toi-même, quand tu quittes Abidjan, et puis quand tu quittes Paris, tu t'es à Abidjan. Dépense même qui t'attend à Abidjan, là. Ça dépasse les 1 million, mais eux-mêmes, ils vont te donner pour te donner comme argent de poche. Mais ils la connaissent, c'est des malots. S'ils les connaissent, s'ils les connaissent, c'est des malots. Ils vont pas vous, ils vont rien faire pour vous. Parce que ce que vous faites là, c'est pas du boulot. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Cherchez à travailler. Vous travaillez et vous avez les petits bonus. Si vous avez des projets, vous approchez vos autorités, ils peuvent vous aider dans certains circuits. Et ça même, ça sera difficile, mais ils vous aident même à faire quelque chose parce que eux-mêmes, c'est des malots. Voilà, surtout Mamadou Touré là, c'est un vrai malot. Eux, ils disent jamais non. Hein. Les gars du RADP là, eux, ils disent jamais non. Hein. Quand ils parlent, ils disent oui, il n'y a pas de problème, appelle-moi dans 2 jours. 2 jours, tu les appelles, ils ne décochent plus. C'est des malots. Mamadou Touré, a pas plus menteur que Mogola. Vrai menteur, Mogola. Pourtant, c'est mon gars. Hein. Mais tellement Mogola, il ment. Non, il est fermé. Non, moi, je n'aime pas les menteurs. Mogola, il ment trop. Il est jeune, quoi, un petit, il ment. Hein? André, il est vieux. Ils sont juste bêtes. Vous pensez que c'est travail ça? Tu es vidéoman. Tu prends, tu as connexion, tu allumes ta caméra, tu appuies ici direct. Et puis ça marche. Et puis tu commences à crier. Ouais, Soro c'est un bâtard. Soro c'est un bandit. Soro veut faire coup d'état. Soro veut faire ça. Et puis maintenant, quand tu finis là, à la fin du mois, tu attends maintenant. Ils n'ont qu'à t'envoyer salaire. Vous êtes content, hein? La vie est trop facile pour vous. Hein? Vous savez combien de personnes qui souffrent à Abidjan? Vous savez combien de personnes qui galèrent dans ce monde-là? Eux-mêmes, leurs propres partisans, même ont lutté avec les requins,
les requins, les crabes, ils ont levé, hein, ils se sont béco avec les crevettes dans la mer pour se retrouver ici à Bengue. Vous pourriez comme ça, vous avez pris le téléphone, vous avez fait vidéo, on doit vous donner des millions, quoi. Sinon, c'est ça, vous attendez. Ça vous a toujours vous pleurer là. Vous allez mourir. Vous n'aurez rien. Ok? Vous n'aurez rien. Donc, Zasso Patrick, les allers-retours, écoute-moi bien. Les allers-retours que tu fais, Suisse, Abidjan, si tu avais pris la peine de travailler, écoute-moi bien, si tu avais pris la peine de travailler en 2019, aujourd'hui là, en 2020 là, à cause du Covid là, ceux qui ont travaillé en 2019 là, on les donne, on les paye. À cause du Covid. Si tu avais pris la peine de travailler comme un homme, tu allais te promener et ils allaient te payer chaque mois gratuitement comme ça. Mais ta vie, tu ne sais pas travailler. Tu es là mendier, tout en train de faire vidéo pour pleurer. Tous tes amis sont ministres, tous tes amis sont directeurs. Toi, tu es vidéoman. Tu passes ton temps à mendier. Tu veux rien faire de ta vie. Mendier, demander pardon, donnez-moi l'argent. Nous, les vidéomans, regardez-nous. Regardez les soros, là. On les donne 2 milliards par mois. Tout nous, là, vous ne faites rien pour nous. On Soro, il est investi. Bédier, il est investi dans la communication. Soro est investi. Mais pourquoi même, attendez. Vous faites, pourquoi on vous paye là? Vous mentez. Vous mentez sur Soro. Pour que vous gagnez l'argent encore, vous mentez sur nous encore. Ah, vous êtes comment? Moi, je ne comprends pas pour vous là. Pourquoi on vous paye vos miettes là? Vous mentez sur Soro. Soro veut faire coup d'état. Soro veut tuer les gens. Soro veut faire ça. Mais tant que vous finissez là, pourquoi même on vous donne l'argent, vous mentez encore que nous, on nous donne les milliards. Vous mentez encore que Soro nous donne des milliards. Soro a investi dans sa communication. Soro a payé ça. Soro a sécurisé ça. Donc nous aussi, là, on doit avoir. Ah, mon frère, si tu es trop fâché, viens chez Soro. Viens. Nous, on vous invite. Venez, venez, venez. Chez nous, si l'on ne parle pas beaucoup. Chez nous, là, c'est sans stress. Regardez, je suis couché, je grossis. On n'a pas problème avec quelqu'un. On n'a pas problème avec quelqu'un. On vit tranquille. On a le moral tranquille. Parce qu'on sait que Draman l'a fini à lui. Voilà. On sait que Draman l'a fini à lui. Et puis nous là, ce qu'on fait là, c'est par conviction. On fait ça parce qu'on aime ce combat. C'est par conviction. On aime ce combat là, c'est pour ça qu'on est dedans. Sinon là, depuis 31 décembre jusqu'aujourd'hui là, rien ne s'est passé encore non. Et puis on gagne rien non. Il y a longtemps on a insulté Soro. Il y a longtemps on allait insulter Soro. Vous dites, Soro, bâtard, là, tu nous as plagués. Hein? Anselmo Bruit, tu nous as plagués. Depuis 31 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. On s'est fait des ennemis. On ne peut pas aller à Abidjan. Et puis toi-même, tu nous donnes rien. Donc va te faire foutre, Soro, ton bâtard. On allait l'insulter. On allait l'insulter. Mais est-ce que vous avez vu un Soroïs partir quelque part? Nous tous, on est restés à nos postes. Malgré tout ce qui arrive, malgré tout ce qui arrivera, on restera à nos postes. Même si on gagnerait dans ce combat. Même si on ne gagne rien, on restera à nos postes. Parce qu'on sait qu'on va gagner le combat. On a le moral haut. Dans la vie, il faut apprendre à souffrir. Rien n'est facile. Il faut apprendre à souffrir. Donc, on est prêt pour souffrir. Même si on touche du bois, on dit, oh, demain, quelque chose arrive à ce taureau. Non, on va rester à notre position. On va. Et ça, rien ne va l'arriver. Parce que ce gars-là, il est plus intelligent que votre patron, votre amana. Il est comme Gombo. Quand on veut l'attraper ici, il glisse ici. Quand on veut venir ici, il glisse là. Vous savez pas dans quel combat on est. Hein? Vous comprenez? Si nous, on ne faisait pas les choses par conviction là, de la manière aujourd'hui, on est verrouillé à Abidjan. Là. Il y a longtemps, on s'est rallié. Parce qu'on nous donne rien, mais on est dedans. On nous donne rien, mais on est verrouillé partout. Mais on est dedans. Depuis 31 là, il y a longtemps, on était découragé. Il y a longtemps, on avait laissé. Il y a longtemps, on était parti. Mais on sait que ça va se passer. Ça va se passer, famille. On sait que ça va se passer. Donc on est serein. Pour l'instant, là, on boit l'eau. On mange pain là. On coupe un peu, on mange. Ça va se passer. Et puis nous, quand ça va se passer là, on ne va pas faire comme vous. Vous êtes couché à Paris ici. Vous continuez à courir. Pendant que votre patron là, il est à Abidjan. Vous continuez à courir dans la mer en train de vous battre avec les requins, les tilapias, les crabes poilus pour venir à Bengue. Pendant que vous dites que lui, c'est un champion à Abidjan. Vous courez pour venir. Nous, là, quand ça s'est passé là, nous, on va retourner à Abidjan. C'est là-bas, ça se passe. C'est là-bas le vrai point. Quand notre patron rentre là, on rentre à lui. On ne va pas venir se battre avec les blancs, nettoyer dans le cul des blancs. Et puis ton patron à Abidjan, en train de vivre. Non.
C'est ça le vrai point. Donc on souffre pour l'instant, on mange pain. On est là, on profite des petits mouvements des blancs là. On profite de ça pour d'abord. Au d'abord. Macron donne à l'aile là, il prend pion et puis il n'y a rien. Demain, il rentre ça. Donc il n'y a pas besoin de quelqu'un. Il sait dans quoi il est sûr. Jamais il aime le débat. Jamais de la vie. Non, jamais. C'est une GPS là. GPS là, si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas savoir. Si tu es dehors, c'est pourquoi souvent je vois mes frères go, ils sont un peu découragés parce que c'est un peu calme, c'est tout. Donc, c'est parce qu'ils sont dehors. Donc, ils pensent que c'est fini, c'est mort. Non, ça ne peut jamais mourir. Il faut être dedans. Si tu es fâché là, viens dedans. Tu vas comprendre que c'est pas fini. Tu vas comprendre. Voilà, c'est ça le GPS. On a le moral haut. On est prêt jusqu'à l'ascaras. Actuellement, là, ils ont restreint tous les comptes. Tous les comptes. Vous voyez, Amiral, à peine même il arrive à 500 personnes. Regardez Soulé, à peine même il arrive à 1000 personnes. Et à moi-même, mes comptes, à peine même j'arrive à 1500 personnes. Tout est verrouillé. Ils ont tout fait. Ils ont mélangé tout. Mais on est là, on a le moral. Parce qu'on sait que ça va se passer. Même si demain mon vieux père se réveille, moi, nous, on a cotisé pour lui, va moi. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous comprenez, famille? Donc, mes frères du RDP là, chaque fois, vous prenez le nom de Soro pour avoir l'argent. Soro investit ici. Soro donne l'argent à ces trucs. Mais si tu es au RDP à cause de là, mais quand tu ne donnes pas, mais viens au GPS, c'est tout. Mais viens au GPS. Viens ici, nous, on te donne, tu as grossi même. Même si Soro ne donne pas, moi, il peut te donner. Moi, il y a 5 000 euros par mois. Il peut te donner un petit 1 000 euros. Tu vas te défendre ça. Là-bas, on ne te donne pas 1 000 euros par mois. On te donne peut-être 1 000 euros chaque 6 mois. Ou bien chaque 8 mois. Ou bien c'est par coup de tête, on te donne 1 000 euros. Moi, tu viens ici et tu donnes 1 000 euros chaque mois. Viens au GPS. Arrêtez de pleurnicher. Pouvoir ne va jamais vous sauver. Ils ne vont jamais rien faire pour vous. Et puis, même si tu es un parent, si tu veux mettre ton parent quelque part, même, ils ne vont pas t'aider. Ça, je vous dis ça. Ils ne vont rien faire pour vous. C'est des ingrats, c'est des sorciers. Aujourd'hui, regardez Soro qui a donné sa jeunesse à ces maudits-là. Regardez comment il le traite. Regardez comment il le traite. Juste parce qu'il a demandé la réconciliation, la paix. Il est devenu l'ennemi de Dramane Ouattara. Quelqu'un qui l'a installé au pouvoir. Parce qu'il a demandé la réconciliation, la paix. Aujourd'hui, regardez. Regardez comment on le traite. Il ne faut rien leur donner. Il y a les gens même qui ont pris les armes, qui ont combattu pour Dramane Ouattara. On leur. Ils n'ont rien donné. Ils ont pris les armes. Ils ont combattu pour Dramane Ouattara. On les a rien donné. Vous, parce que vous avez connexion, vous avez appuyé aussi direct. Hein? Et puis vous avez crié, insulté les gens. On n'a qu'à vous donner une maison. On n'a qu'à vous donner des millions. La vie est facile pour vous. Vous êtes content. Hein? Vous êtes content. Hein? Vous êtes content. Hein? Parce que vous avez pris connexion, 10 euros, 19 euros par mois ici, là, que tu prends, tu cries, et puis toi-même, tu mens que ta vie est menacée. Personne ne te menace, mais tu mens que ta vie est menacée. Toi, tu es au pouvoir, c'est toi, tu es avatar. Toi, tu es au pouvoir, c'est toi, tu mens que ta vie est menacée. Bon, tu es au pouvoir, qui va menacer ta vie? Qui menace ta vie? Puisque c'est vous qui gérez tout. Si on dit les palabreux, les agresseurs, les loubards à Paris ici, là, c'est le RDA, c'est le RDP. C'est vous qui êtes bandit dans tout. C'est vous qui faites palabre dans tout. C'est vous qui agressez les gens. C'est vous qui menacez les gens. Mais tout ça là, pour qu'on vous donne un peu, vous êtes obligé de mentir quand les gens vous menacent. Un gars ne va jamais vous menacer. Parce que gars n'aime pas palabre. Un gars du RGPS ne va jamais vous menacer. Un gars de PDCI, même on ne parle pas. Eux, c'est des chocos. Aucun gars de PDCI ne va aller menacer quelqu'un. Eux, c'est des chocos. C'est des intellos. Et ils ne menacent pas. Donc, vous mentez partout. Famille, RDP là. Il y a les gens qui ont souffert, eux. Ils ont galéré. Il y a les gens qui ont pris les armes. Aujourd'hui, là, quand ils ont fait le documentaire, vous voulez chercher les vidéos pour mettre, vous allez voir. Il y a une femme, même une année là, elle s'est brûlée, elle s'est immolée. Elle est morte. Watao. Ils l'ont tué, Ouattara. Ouattara même qui a donné sa vie, ils l'ont tué. Ils l'ont empoisonné. Ils l'ont déjà. Il y a des gens qui ont pris les armes. Aujourd'hui, là, les anciens combattants, il y a d'autres qui ont. Les pieds sont coupés. Il y a d'autres là, les bras sont coupés. Il y a d'autres là, ils ne voient plus clair, ils sont aveugles. Il y a d'autres, jusqu'à actuellement, ils sont sur dialyse. Ils se soignent tous les jours. Ils n'ont même pas eu terrain. À plus forte raison, maison.
À cause des connexions, tu as pris, tu es venu crier, 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 crier ici, là. On ne peut pas respirer. Toujours, c'est vous qui pleurez. On veut millions, on veut ça, on veut maison. Vous ne nous regardez pas. Ils n'ont qu'à te regarder comment? Ou bien tout ce que tu disais, si ce rôle-là, c'est faux. Bon, si tu as fait ça, pourquoi on te regarde? C'est que tout ce que tu disais, si ce rôle-là, c'est faux. Tu disais que Soro veut faire coup d'état, Soro c'est un bandit, Soro veut tuer telle personne. Pourquoi tu donnes l'argent? Donc, c'est que tout ce que tu as dit, c'est faux. Parce que quand tu dis ça à ton cœur, quand tu défends quelqu'un à ton cœur, quand tu défends quelqu'un à conviction, tu n'attends rien en retour. Normalement, l'élection est finie même là. Vous devez vous reposer. Vous avez fini l'élection, non? Vous dites que vous avez fini l'élection, non? Normalement, vous devez vous reposer, vous devez être content, vous devez prendre une salle, quoi, danser. Oui, on a gagné, c'est fini. Enfin, on est content, Draman est au pouvoir encore pour 5 ans, on est content. Et vraiment, félicitations. Vous devez vous saluer comme ça, chacun salue son camarade. Ouais, bravo les gars. En tout cas, rendez-vous dans 5 ans encore. Maintenant, sur votre page là, vous devez partager les vidéos de porno, les trucs comme ça. Parce que maintenant, vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien à craindre. Est-ce que vous avez peur de quelqu'un? Donc, sur votre page là, ça ne doit plus être les grognes. Ça devait être les vidéos de porno, les vidéos d'action, hein, les vidéos des théâtres. C'est les trucs qu'on vous devait mettre sur vos pages. Mais vous ne pouvez pas venir vous plaindre pour qu'on vous donne l'argent. Vous avez fait quel travail? Vous travaillez pour qui? Hein? Mon frère Kader Diarasouba, ça c'est mon frère qui est là. Hein? Mais est-ce qu'il est mon Kader? Actuellement là, c'est les films porno, ils doivent mettre sur les pages parce qu'ils sont au pouvoir. Ils ont tout gagné. Donc, je ne sais pas pourquoi, avant élection, il se battait. Pendant élection, il se battait. Élection est finie, il se bat encore. Vous battez qui maintenant? Vous avez gagné, vous restez tranquille maintenant. Mettez les pornos, nous, on laisse afficher. Nous, on aime les pornos. Les films d'action, les films d'amour, vous voyez, les Donna Benja. C'est des trucs comme ça que vous devez mettre en direct. Là, tout le monde est connecté parce que vous avez gagné tout. Tout ce que nous, on a fait là, ça a échoué. Vous là, au-delà, c'est vous qui gérez tout. Donc, vous ne devez pas vous battre. Vous devez vous saluer. Vraiment, félicitations, mon frère. Toi, tu étais indu. Non, toi, la dernière fois, tu as bien insulté Soro. Hein? Non, toi, la dernière fois, la façon que tu as parlé à Bédier, là. Non, il va tuer. Bédier, c'est un gawa. C'est comme ça. Vous devez vivre. Ça, on fait ça. Quand, tout ce qu'on fait là, c'est naturel. Quand ça vient du cœur. Quand on soutient quelqu'un. Moi, je suis prêt pour Soro jusqu'à Las Caras. Jusqu'à Las Caras. Je vous ai dit, quel que soit ce qui arrivera, je suis Soro. Et si prêt pour lui. Quand il vous dit il me donne rien, vous payez ma muse. Vous pouvez pas croire. Il vous dit il me donne rien, vous pouvez pas croire à ça. Voilà. Vous, d'autres même se disent, mais il y a un jour, il y a un gars qui m'a dit, il dit mon frère, il n'y a rien dedans. Il dit, lui-même il me donne conseil, mais tiens, il n'y a rien dedans, mais pourquoi tu mets ta vie quand tu es exposé? Il dit, mais c'est un combat, c'est pour le pays. Nous, on ne se bat pas pour Soro, on se bat pour le pays. On veut libérer notre pays, c'est tout. Voilà. C'est tout. On ne se bat pas pour Soro, on ne se bat pas pour Bédier, on ne se bat pas, on se bat. Mais avant de te battre, il faut avoir un leader. Moi, j'ai choisi Soro comme mon leader. Parce que je sais que c'est lui le babatien. C'est lui le frapponneur. C'est lui qui peut couper testicules de Draman Ouattara. Parce qu'il connaît où il peut frapper dans le côte là. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est lui que j'ai choisi. Voilà. Donc, c'est mon leader. Tu comprends, non? Donc, il n'a gagné rien. Dans ça là, il n'a gagné rien. Mais comme il n'est pas fin, donc je suis à lui. C'est peut-être que s'il avait faim, là, il allait l'appeler de temps en temps. Ah mon vieux, c'est chaud, hein, faut me donner quelque chose. Mais pour l'instant, il n'est pas faim. Il n'est pas faim. Voilà. Comme ça, le jour, il l'appelle, il dit mon vieux, c'est chaud là. Il va dire, ah, depuis des années, petit, il a écrit pour moi. Il ne m'a jamais appelé. Le jour, il m'appelle, c'est que c'est chaud. Mais pour l'instant, je n'ai pas faim. Et puis, je ne vais jamais l'appeler. Inch'Allah. Parce qu'un ami, même s'il a faim, il n'appelle jamais. Même s'il a faim, il n'appelle jamais. Même s'il a faim, il arrive chez toi. Tu es en train de manger, il est assis là, il a faim. Mais il ne va jamais venir te dire. Quand tu allais inviter, il va dire non, c'est bon, il s'est rassasié. Je dis non, c'est bon, il s'est rassasié. Pourtant, il est assis là, il a faim. C'est comme ça, nous, les amis. Regardez les deux bêtés là. Les deux bêtés. Zasso et M10. Regardez les deux bêtés là. Ils sont obligés de faire des choses pour avoir l'argent. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Tu es obligé d'insulter quelqu'un. Tu es obligé de raconter de n'importe quoi. Pourquoi on te paye? Pourquoi on te donne l'argent? Eh, hey, Dieu, merci, je suis né à Agni. Vraiment, merci beaucoup. Chaque jour, hey, l'éducation que maman m'a donnée est trop bien. Moi, je peux mourir de faim. Hein? Même s'il est faim, je peux mourir de faim. Aïe! Oh, vous me connaissez mal. Il n'y a pas quelqu'un. Depuis mon Abidjan jusqu'à Benguessi, demandez à quelqu'un un jour. Je vous ai expliqué un jour mon histoire. Quand je suis venu ici en Europe, je suis venu ici, je me suis sorti. Je n'ai pas compté sur quelqu'un. Je me suis sorti. Tout seul.
Hein, le mince. Hein, le mince. Parce que j'aime pas la honte. J'aime pas que. Est-ce que vous avez entendu un jour quelqu'un dire si, putain là, il vivait chez moi, oh. Putain là, il était ici, oh. Il n'avait pas vécu chez quelqu'un. Moi, s'il venait en France, il ne travaillait pas, mais il louait maison. Parce qu'il avait économisé un peu s'il venait ça. C'est comme ça. Là, il sait qu'il a travaillé. C'est un chercheur. Le maïs. Vous comprenez, famille? C'est comme ça, il faut travailler. N'attendez pas l'argent du pouvoir. Vous, les gens de mouton là, n'attendez pas l'argent du pouvoir. Allez travailler. Vous avez gagné vos élections, c'est bon, on a compris. Allez-y travailler. Vous n'aurez rien. Moro, vous n'aurez pas. Vous êtes parti à Abidjan. Quand vous allez quitter là-bas, ils vont vous donner les 1 million, 1 million, 1 million, 1 million chacun. 1 million, ça fait 1500 euros. Moi, je suis couché ici, il y a 5 000 euros, mon frère. Est-ce qu'on a même problème? Il fait vidéo quand il veut. Personne ne me force à insulter. Personne ne me force à dire quelque chose. Il partage publication quand il veut. Ou bien vous voyez pas sur ma page. Est-ce que vous me voyez faire vidéo tous les jours? Il fait quand il veut. Personne ne me force à faire quelque chose. Quand il sait qu'il y a des choses importantes, il framponne. Quand il sait qu'il n'y a rien, il est ici là. Voilà. Ton famille. Avant de finir cette vidéo qui devient un peu, qui devient très longue, je tenais à vous dire deux diront que c'est les mêmes choses. Oui, c'est la même chose. Parce que ça va se passer. Ça va se passer. Et ça va se passer. Drama Ouattara a fini pour lui, non? Il a fini pour lui. Nous on a joué la finale maintenant. C'est gagné, gagné, perdu, perdu. Celui qui a gagné là, il a gagné. Il a fini pour lui, non? On a joué la finale. Donc, c'était mon message de fin. Et je tenais à saluer tous ceux qui sont toujours mobilisés. Surtout mes frères du GPS. La dernière fois, on était à Trocadéro, dans la pluie, là. Sous la pluie. Sous la pluie. On était arrêtés comme ça. La pluie nous chicotait comme ça, dans le froid, là. 3 degrés. La pluie te chicote encore. Imaginez-vous, vous qui êtes à Abidjan là, tu es dans 3 degrés. Vous ne connaissez pas 3 degrés parce que là-bas, vous êtes au Gawa. 3 degrés dans fraîcheur. Et puis l'eau te chicote encore. On était dedans. Ceux qui étaient là, ils savent. On était dans la pluie là. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu assez de monde parce qu'il pleuvait fort. Donc il y a d'autres bon, qui aiment jouer les chocos, ils ne sont pas venus. Vous comprenez? Mais on était là pour un combat. On n'a jamais baissé les bras. Parce que combat ça, là, on va gagner ça. On va gagner ça. C'est pas blanc, on va gagner ça. On était sous la pluie là-bas. Même s'il y a des personnes à prendre micro, à bailler. Vous comprenez? Donc, voilà. Restez mobilisés, restez concentrés. Famille, bruit là, on va faire ça bientôt, beaucoup même. On va faire le bruit là, beaucoup. Beaucoup même brûlent, on fait ça. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui étaient à Trocadéro la dernière fois. Vraiment, c'est Dieu qui est fort. La finale, c'est pour bientôt. La finale, c'est pour bientôt. Vous savez, quand moi, il dit, ça se réalise. Après, vous allez dire, c'est un sorcier encore. Tout ce que moi, il dit là, ça se réalise. On va jouer la finale. Ça veut dire ça passe ou ça casse. Mais nous, on tape jamais poteau. Voilà. On tape jamais poteau. Jamais on va taper poteau. Donc, sur ce, on est ensemble, famille. Ciao, ciao. Vous, les Adomoutos, là, allez travailler. Arrêtez de demander l'argent. Personne ne va vous nourrir ici. Bâtard, là.